Tu vois, très souvent, quand tu dis à quelqu'un, la meilleure couleur entre le noir et le blanc, la question ne se pose là. La question se pose à peine que les gens te montrent la primauté du blanc sur le noir. Parce que le blanc, c'est sale. Même dans les sociétés les plus profondes du milieu bambou. Pourtant, quand tu dis aux gens de pousser l'analyse, même par l'analyse du remarque de près, on se rend compte d'abord que les gens, souvent on dit des choses sans vraiment y penser. Il y a quelques années de cela, Habib et moi, on était venus au Palais de la Culture pour une conférence. On était avec les conférenciers et j'ai vu les gens en noir qui partaient au palais. Enfin, on était à la maison des jeunes et les gens, ils partaient, je les ai vus enjamber le pont. Ils allaient pour une manifestation au niveau du Palais de la Culture. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font comme ça? Ils disent non. C'est les parents des gens qui ont perdu qui ont eu des victimes lors des événements. J'ai dit, mais pourquoi ils sont en noir? J'ai dit, non, c'est pour montrer leurs deux. J'ai dit, non, ça c'est pour les blancs, ça c'est pas pour nous. Il y a l'autre, l'ami du conférencier. C'est les deux qui sont en train de manifester. J'ai dit, je vois. J'ai dit, mais c'est pas avec ça qu'on doit faire les deux. Bon, il a rigolé. Bon, il disait que ce n'était pas la peine de continuer avec nous. Mais son ami qui lui dit, non, pas quand. Attends qu'il finisse. Alors quand il a fini de rigoler, je lui dis, bon, parce qu'ils sont en noir, moi je le dis, mais je vais te poser toi qui a un doctorat d'État, donc un des plus grands intellectuels du Mali. J'ai dit, dis-moi quelque chose de noir au Mali, de noir qui exprime le malheur. Pas deux, une seule chose. Tu vois, ça a 25 ans de plume. Après, j'ai vu un peu son visage s'attrister. J'ai dit, tu vois, tu l'aurais dit tout de suite, mais tu ne trouves pas, c'est pourquoi tu t'attristes. Ou alors on change, prends le contraire, prends le blanc. Donne-moi quelque chose de blanc ici au Mali qui exprimerait le bonheur. Pas deux choses, une seule chose. À tourner. J'ai dit, tu vois. C'est si simple, si profond que toi tu ne trouves pas. Je dis, mais cependant, si je te dis d'argumenter, tu ne le feras pas. Parce que ça t'a donné tout de suite des problèmes. Mais si tu me le dis, moi je le dis sans effort. Et à chaque réponse, je donnerai deux réponses. Sans me fatiguer. Parce que moi j'ai pris le temps d'y penser. Et ça, nous, c'est ceux qui nous minent. Et ceux-là à qui vous donnez les coups, c'est ceux qui les fatiguent. Parce que, il y a quelques jours, je l'avais dit à la même personne, j'ai dit, tu sais, on a un divorce de culture. Quand des personnalités arrivent chez moi, pendant tout le temps de ma jeunesse, quand des personnalités arrivent, on dit, tu t'accroupis, tu lui dis bonjour. Et c'est ce qu'on a fait tout le temps. Mais quand on va à l'école, le maître nous dit, quand une personnalité arrive, vous mettez debout, vous croisez les bras, vous lui dites bonjour. Tu vois, le divorce, c'est comme ça. Et c'est dans toutes les situations qu'on a à traverser pendant tout le cycle. Nous étudions dans la langue française, ça veut dire que nous étudions en même temps les habitudes, la culture du blanc. À la maison, où nous restons peu de temps par rapport à l'école, nous prenons une autre culture, c'est le truc de nos ancêtres, souvent ça divorce. C'est comme ça. Donc à l'autre, je lui dis, bon, je vais te le donner. Toi qui es intellectuel, tu vas continuer, mais ne garde pas ça pour soi, donne aux autres. Je lui dis, les permanents disent, quand tu as les cheveux noirs, tu as la vigueur. C'est l'homme dans tous ses états. Personne n'a besoin de te dire quand tu commences à faire du blanc que tes forces commencent à te perdre. C'est clair. On n'a pas besoin de dire que tu vieillis. Tu commences à faire des cheveux blancs, tes forces partent.
Les Bamanan disent, tes yeux regardent dans le noir. Quand tu commences à voir du blanc sur, sur tes yeux, toi-même tu sais qu'il faut aller voir Lyota ou ailleurs. Tu as des problèmes. Je dis ce suffisant, cherche le reste. Toi qui es intellectuel là, tu peux trouver plein d'exemples comme ça. Mais parce que tu n'y as jamais pensé. Tiens, vois-tu. C'est, par exemple, un enfant, il faut qu'il baisse les yeux devant les adultes au Mali. Oui. Oui. Alors que les blancs, quand les parents parlent à un enfant pour le chicoter, etc., il lui dit regarde-moi s'il te plaît. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et un enfant qui baisse les yeux, là, les blancs, ils n'aiment pas ça. Hein. Ils te disent qu'il est tellement poli. Cette expression est connue de tout le milieu bamana. Il est tellement poli qu'il ne peut pas te regarder dans les yeux. Ça rentre dans le même cadre, quoi. Il est tellement poli qu'il ne peut pas te regarder dans les yeux. Alors que chez nous, on dit regarde-moi quand je te parle. Voilà. Eh oui. Non, il y a un million de. Quelqu'un m'a raconté l'histoire du paillasson. Chez les blancs, il y a un paillasson avant de rentrer dans la maison. Et tous les blancs s'essuient les pieds chaussés sur le paillasson avant de rentrer. Et une fois qu'on s'est essuyé les pieds, on rentre dans la maison. On n'enlève pas les chaussures. Alors que les Maliens, ils vont enjamber le paillasson parce que c'est un tapis qu'il ne faut pas salir. Et ils vont poser les chaussures à l'entrée et continuer pieds nus. Ouais. Et alors pour résoudre ça, pour que chacun retrouve, que les Maliens retrouvent la valeur de leur propre, propre héritage, quoi, il faudrait faire quoi? Arrêter d'apprendre le français, arrêter comment ça devrait se passer à l'école, tu vois, pour redonner confiance. Il ne faut surtout pas arrêter de s'investir davantage. C'est-à-dire prendre tout en compte. Quand on fait quelque chose, on le fait franchement. On le fait totalement. Mais des trucs ont été bradés, parfois essentiels. Quand tu parles à une personne que tu respectes, tu t'assois, tu lui parles. Parce que chez nous, on dit, quand tu viens dire quelque chose de sérieux, tu le dis de façon furtive, tu t'arrêtes, tu le dis, même si c'est, ça marche au départ, à la fin, ça va finir en coup de poisson. Tu viens, tu t'accroupis, tu mets ta main droite au sol, tu parles. Tu dis tout, même si ça ne vaut que 30 secondes. Ou si tu ne peux pas faire ça, tu t'assois quand même. Même si ça n'en vaut pas le coup, tu dis, on te donne une réponse, tu t'en vas. Mais tu ne viens pas jeter ça comme ça et partir. Non, ce n'est pas respecté. Donc là, tout ce qu'on dit là, c'est vraiment de culture à culture. Hein? Mais est-ce que, par exemple, les parents d'aujourd'hui, là, qui ont des jeunes, vraiment des petits, là, tu vois, des adolescents et tout ça, des moins de 20 ans, est-ce qu'ils arrivent à transmettre ce qu'eux ont reçu de leurs propres parents aussi facilement que toi, quand tu étais petit? Quand les parents disaient un truc, on ne disait rien, quoi, on vous sait. Aujourd'hui, parfois, les jeunes, les petits, là, les tout petits, ils sont un peu rebelles face à leurs parents. Ouais, mais parce que... Parce que toi, aujourd'hui, ou Habib, aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un qui est plus âgé que vous, vous vous agenouillez, hein. Moi, je vous vois, hein. Est-ce que les jeunes font la même chose? Non, la culture n'a pas été soutenue dans tous les domaines. Cette politique devrait être nationale. Mais les gens n'ont pas compris que la culture est essentielle. Donc, il y a quelques pionniers, dont nous. Mais après, les autres nous ont trahis. C'est ça, c'est très important. En fait, c'est très important. Il suffit de rentrer là-dedans pour des détails comme ça. Les gens ne savent pas. Ils se disent, ah, même dans le cadre de la religion. Hein? C'est le cadre religieux. C'est ça. Il n'y a que l'impérialisme religieux qui marche. Mais tout le reste est foulé aux yeux. Hein? Je dis, tu racontes l'histoire de Adam jusqu'à Mohammed en quelques 5-10 minutes.
Mais personne ne se bat pour qu'à l'école, il y ait au moins une heure d'éducation religieuse. Et après, on s'étonne qu'il y ait des terroristes. Ça n'enseigne pas le terrorisme, mais ça enseigne une culture, une histoire que l'enfant doit connaître si tu veux le maintenir dans un état de... C'est, pour plutôt, qu'il ne soit c'est pas... plutôt de l'histoire des religions que de l'instruction religieuse. C'est ça, voilà. C'est l'histoire des religions. Des religions. Sans parti pris et pour toutes les religions. Dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, on a parlé de culture, mais c'est ça, c'est essentiel. Ça fait partie de l'homme. Tant que tu n'as pas l'homme, tu n'as pas l'histoire de l'homme, tu n'as pas l'homme. Tu le perds en partie, enfin, tu le perds presque à 70%. Parce que c'est ça lui. Peut-être parfois lui-même ne s'en rend pas compte, mais c'est comme ça, c'est lui, il est comme ça. Hein? Tu dis de bonnes choses de quelqu'un, il s'énerve. Tu lui dis de mauvaises choses, il est content. Et ça reste, ça existe chez tous les peuples. Mais c'est culturel. Tu ne comprends pas. Le corps réagit. Il y a une compréhension externe, il y a une compréhension interne. C'est pas si je me fais comprendre. Il y a des choses que le corps comprend. Le corps gère. Donc le corps réagit en conséquence. Mais de l'autre côté, le corps ne comprend pas. Donc le corps ne réagit pas. Ça existe dans les phrases, ça existe dans les périphrases, ça existe dans les comportements. Ça existe dans les sons. Bon, nous, on le savait très bien parce qu'il y avait le do, le komo, le koré, les bois sacrés. C'est justement pour des trucs comme ça. Mais malheureusement, tu as vu, tous les écrivains qui ont été initiés, par exemple, au komo, se sont tués au moment de nous donner l'essentiel. Au moment de ? De nous donner l'essentiel. Ah. Même Issa Baba, paix à son âme à qui on avait fait confiance, il dit que là, il dépose la plume parce que tous ceux qui ont écrit avant lui se sont arrêtés là. Tu vois, donc on l'a perdu, ça n'existe ni dans le répertoire de l'ensemble instrumental, ni dans ses archives d'enseignants, ni dans ses archives de directeurs d'école. Il n'a pas écrit. Il a écrit pour lui aussi. Et là, il a arrêté juste à la porte du Congo. Et les petits actuels, là, petits, là, ouais. ils traversent toutes ces phases d'initiation aujourd'hui? Ouais, mais ils sont combien? Non, mais c'est une question, hein. Parce que, aussi bien en ville que dans les villages, c'est symbolique comme passage ou c'est vraiment non, comme c'était autrefois? Non, si tu fais le passage, il n'y a pas de symbolique là-dedans, hein. Si tu le fais, tu le fais franchement. Bon, encore, ce n'est pas partout. Hein. Tu trouves ça à Kolokani et dans le Baninko, c'est tout. Tu as les zones de Deleko, de Massigué et d'autres. Tu es là dans la zone de Kolokani, tu l'as, mais après, c'est tout. Et puis, ce n'est même pas partout. Autrefois, c'était tous les villages. Mais maintenant, il y a quelques villages pas qui le font, après, c'est tout. Mais ceux qui le font, quand même, le font totalement. Uh-huh. Ouais. Et les familles bamakoises, par exemple, qui ont des parents au village, ils ont tendance à envoyer leurs petits au village pour tout ça c'est ou pas rares, c'est de rares exceptions. Uh-huh. Autrefois, c'était seule la famille Nyaré qui avait des rapports avec ceux de Mouribabougou, de Djiribougou, de Ngabakorodroa, de Fougadougou ou de Massala. Bon, je crois qu'à Kouloukouro, il y en a encore. Il y a un autre village derrière la colline à Kouloukouro. À Massala, ça existe. J'ai même fait filmer. Il y a quelques villages, mais Djiribou, c'est fini, il n'y en a plus. Fadjigila, c'est fini. Djoumazala, c'est fini. Nafadji, il y a parce qu'il y a encore le piton sacré.
Donc, on profite de la sortie du bouton statique pour redynamiser le côté Barbon. Heureusement, il y a encore des responsables qui s'investissent, qui mettent de l'argent, ça marche encore. Il y a encore 5-6 villages qui font ça. Mais je suis sûr que dans 3-4 ans, il y aurait peut-être 2 ou 3. Moi, je suivais ce truc, mais aujourd'hui, je n'en ai plus ce truc. C'est dommage, quoi. Je le dis sincèrement, ça voit que je n'y peux rien. Bon. Je suis limité dans ma. Ce combat que je voudrais bien mener. C'est pas passé. D'autres forces qui devraient le faire. Même le ministre là, tout le monde, ne peut pas. Normalement, il y a les trucs action culturelle, il y a les patrons de l'action culturelle dans toutes les régions. Même les gens ont autre chose à foutre, à faire. Autre chose à faire. Bon, souvent, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Tu sens qu'ils ne comprennent pas. Mais donc ça, c'est une évolution qui n'a rien à voir avec la crise, la rébellion et tout ça. S'il n'y avait pas eu de crise, s'il n'y avait pas eu cette rébellion, s'il n'y avait pas toutes ces histoires-là, ça n'aurait pas été vraiment différent. Non, même la rébellion, tu enlèves la culture là-dedans. Tu as enlevé plein de... Vous savez, la Biennale artistique et culturelle a joué un très très grand rôle. Mais tout cela là-dedans, donc, tu vois, la plupart de ceux-là qui ont œuvré là-dedans, qui pensaient comprendre, ne comprenaient pas. Peut-être, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de rébellion, parce que même quand il y avait la truc, il y a eu la rébellion, mais ça n'avait pas pris telle ampleur. Parce que tous les 2 ans, les jeunes de Kidal, à Kaï, se sont amusés ensemble et ont échangé des choses. Et ça, c'est très important. Tu vois, là où s'est arrêtée la génération biennale, jusque-là, de Kaï à Kidal, les gens se connaissent. Totalement ou en partie. Ils se parlent. Ils se fréquentent ou se font quand même des liens. Mais la dernière, c'était 2010. Elle devait avoir lieu en 2012. Et puis avec la rébellion, ça n'a pas eu lieu. Ouais. Non, mais avant. Voilà. Avant, on a essayé de reprendre. Oui. Ça avait eu un plan déjà. Depuis la chute. Et c'est pour ça qu'aux journées théâtrales de l'année dernière. Tout avait été fait pour que ça ne flage pas parce que Alpha avait été ministre de la culture de Moussa. Il n'a fait qu'une transition. Oui. Après, il y a Alpha qui a continué. L'année dernière, avec les journées théâtrales, quand moi j'ai interviewé les troupes, tu sais, les chefs des troupes, et effectivement, les vieux chefs de troupes, là, tu vois, aussi bien à Gao que à Tombouctou, que celui de Kaï, que tous là, celui de Sikasso, tous, ils ont dit que ceux qui étaient venus de Kidal, bon, c'était des plus jeunes, donc ils n'avaient pas cette historique-là derrière eux. Mais ils disaient que c'était la première fois, depuis les dernières biennales, qu'ils se retrouvaient tous et que les jeunes passaient une semaine ensemble. Quoi. C'est ça. C'est plus qu'important. Plus qu'important. Et ça résout bon nombre de problèmes. Mais faut, bon, même comprendre, c'est pas ça. Approche-toi. Viens, écoute. Il y a toujours quelque chose qui t'échappe. Moi, je crie sur tous les toits. Je dis que ce n'est pas possible que ces responsables comprennent que la culture est importante et qu'ils ne s'investissent pas. Je pense qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils viennent.
tu ne peux pas comprendre et ne pas vouloir donner. C'est que moi, j'ai l'impression que quand il parle de culture, je parle au niveau décideur, là. Ils ont l'impression de favoriser la culture quand il y a un ballet qui vient, quand il y a des musiciens qui viennent. C'est de la culture, hein. Ou quand les masques d'Obon viennent, bon, c'est de la culture. Mais c'est pas ce que toi tu viens d'expliquer sur la culture, là. C'est-à-dire l'héritage culturel profond qu'on attrape de la famille, des parents et tout ça. Il faut aller. Mais justement, il faut, pour voir dans un puits, tu viens d'abord avec l'intention de voir le puits, voir s'il y a l'eau ou il n'y a pas l'eau. Et tu ouvres. Tu ne peux pas passer et dire que ouais, dans la cour du vieux Bakary, j'ai vu un puits. Qu'est-ce que tu aurais vu? Tu viens, tu t'attardes, tu ouvres le puits, tu regardes, au besoin tu jauges l'eau qui est là-dedans. Comme ça tu pourras dire, ah, j'ai vu le puits du vieux Bakary, j'ai vu le puits de Moussa, j'ai vu le puits de Coquet. Mais j'ai été tiqué par quelque chose. Il me semblerait que dans aucun de ces puits, il n'y ait suffisamment d'eau. Il n'y a pas, j'ai pas vu un seul puits où on a un mètre d'eau. Donc c'est un danger qui le pays, que le village court. Mais ça c'est pas normal. Donc, c'est le lieu de faire appel à des spécialistes pour qu'ils s'investissent, voir pourquoi il n'y a pas suffisamment d'eau dans les puits. Tu fais le gros dos, tu passes là, tu fais le dos rond comme une chaise. Rien faire. Donc je voudrais que. Même la culture n'est pas. Ils ne sont pas venus à ça. On est cadre A, on a fait ceci, j'ai fait autre sport, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Là, tu ne connais même pas chez toi. Il suffit de s'approcher, tu comprendras. C'est-à-dire que des questions vont se poser auxquelles il faut trouver des solutions. À la recherche de ces solutions, tu vas aboutir sur autre chose qui va te faire du bien, qui va faire du bien à tout cela. Tu es décideur. L'autre est derrière toi, il comprend très bien. Mais tant que tu ne lui as pas donné la voix, il ne pourra rien faire. Hein? Mais toi, tu ne comprends pas, tu ne donneras pas la voix. Parce que ce n'est pas essentiel. Tu t'occuperas d'autre chose ou tu lui diras de s'occuper d'autre chose. Bon, je crois que...